m'appelle Sephora, j'ai 20 ans, donc je suis avec ma copine Mina. On est venu aujourd'hui au Labo Ethnique avec des amis qui font des photos en fait, un peu de mannequinat. Donc ils ont quelques contacts ici, ils nous ont proposé de les accompagner, donc on est venu avec eux. Je viens d'arriver, puis voilà. J'aime beaucoup, je trouve qu'il y a beaucoup de jolis stands, c'est pas mal. Lors du défilé du Labo Ethnique du 21 juin, mannequin multi-tâche. On a quelques vêtements inédits que j'ai préparés pour de la boîte. On a des accessoires, on a des sacs. Les vestes un peu plus excentriques, donc avec des doublures classiques en soie, et des vestes un peu plus classiques avec des doublures en wax. Des rappels de boutons en wax, pareil pour là. Donc c'est deux conceptions qui peuvent s'adapter à tous les hommes actuels. Je suis aujourd'hui sur le Labo Ethnique afin de vendre mes doudous que vous pouvez voir juste derrière moi. Voilà. Ce doudou, il a été créé un peu par mes inspirations dans le sens de l'Afrique, mélange de l'Afrique et de l'Occident, par un objet traditionnel en Occident mélangé avec le tissu africain. Je suis la créatrice, conceptrice, et je travaille avec une créatrice exécutive et des designers textiles donc à Madagascar. Je conçois ici en France, et puis après je construis les prototypes, donc tout le design, et après je vais à Madagascar pour travailler avec des artisans pour rentrer dans une démarche solidaire. Moi j'ai vu un pantalon pas mal, je vais peut-être retourner voir.